après la victoire décisive de Dien Bien Phu, le Nord-Vietnam est un pays qui n'a encore ni désarmé, ni démobilisé. L'homme reconnu dans le monde entier comme le Napoléon de la guérilla, qui après avoir vaincu les Français passe pour diriger en coulisses la lutte contre les Américains, le général Diap nous parle de l'armée populaire. Vous avez demandé, posé une question sur le potentiel, n'est-ce pas, de la résistance. Je serai bref sur la question, je vous dirai des généralités précises, ou comme vous voulez, n'est-ce pas, des précisions générales, n'est-ce pas ? Eh bien, la République démocratique du Vietnam ben, est à même absolument, n'est-ce pas, d'assurer sa défense, d'assurer la défense, et d'écraser, n'est-ce pas, n'importe quel agresseur impérialiste. La principale force de notre armée réside dans le moral, dans l'esprit combatif du soldat et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique, deux facteurs. Un facteur primordial, un facteur moral. Alors nous sommes fiers de faire du moral élevé de notre armée, maintenant aussi. Et certains pensent en Occident que vous, personnellement, continuez à inspirer la stratégie du Viet Cong. Est-ce que c'est vrai? Viet Cong, c'est... Viet Cong, c'est de vous parler. Viet Cong, c'est-à-dire... La résistance du Sud. La résistance du Sud. La résistance du Sud, n'est-ce pas, c'est la population du Sud, n'est-ce pas, qui mène la résistance, n'est-ce pas? Alors la population du Sud, n'est-ce pas, a l'expérience de 10 années de guerre contre le corps expéditionnaire français, n'est-ce pas? Alors maintenant même... certains journalistes français, n'est-ce pas, et certains hommes politiques français donnent des conseils aux Américains, que ça, n'est-ce pas, ne sera jamais résolu par la voie de la guerre. Năm 1964, một nhóm phóng viên truyền hình Pháp đã quay trở lại Điện Biên Phủ và tìm gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều mà họ quan tâm đặc biệt là sức mạnh của Việt Nam trong cuộc đối đầu với sức mạnh quân sự của Mỹ. Vài năm sau, khi mà cuộc chiến tranh Việt Nam ở vào giai đoạn ác liệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Pháp. Lần này, niềm tin của ông vào chiến thắng còn được thể hiện mạnh mẽ hơn trước. L'année 1966 a été marquée essentiellement par la défaite, une défaite sévère du corps expéditionnaire américain au Sud-Vietnam. Dans cette guerre locale qu'ils sont obligés de mener pour sauver leur entreprise néocolonialiste de la débâcle, les États-Unis ont perdu le premier round. Ça a été pour eux une véritable surprise. Une surprise d'ordre stratégique. Aucun de leurs objectifs n'a été atteint. Les Américains se proposaient de briser les Chines aux forces populaires, c'est-à-dire d'exterminer le gros des forces régulières du Front National de Libération, de reconquérir d'importants territoires qui échappaient à leur contrôle, de consolider, revigorer le régime fantoche de Saigon et son armée. Eh bien, aucun de ces objectifs, absolument aucun, n'a été atteint. Par contre, les forces régulières du Front National de Libération se sont renforcées, les zones libérées se sont élargies et la crise du régime de Saigon s'aggrave sans cesse. Quels sont les effets des bombardements contre le Nord? Là aussi, fiasco complet. Rien ne peut ébranler notre détermination à combattre l'agression et à aider nos frères du Sud le plus efficacement possible. Plus l'aviation américaine multiplie ses raids, plus les pertes sont graves. À ce jour, le 13 janvier, plus de 1600 avions Yankee ont été abattus, tandis que ni nos voies de communication ne sont coupées, ni notre capacité de défense n'a été amoindrie. Bien au contraire. Que pouvez-vous dire des opérations américaines dans le delta du Mékong? Ce fait met à nu une des contradictions les plus aiguës dans lesquelles se débat la stratégie américaine. Faut-il disperser ses troupes allant à la recherche d'un ennemi qui est partout, tout en n'étant nulle part, pour voir ses hommes décimés partout, sans trouver à frapper nulle part? Faut-il regrouper ses forces, abandonner de vastes territoires à l'adversaire? Quand la guerre du peuple se développe comme au Sud-Vietnam actuellement, la stratégie de l'agresseur ne peut qu'osciller d'un pont à l'autre, sans trouver une direction juste. Nhà báo Mỹ Stanley Cannell là một trong số ít những nhà báo phương Tây phỏng vấn đại tướng sau chiến tranh. Ông kể lại, ở tuổi 80, tướng Giáp vẫn giữ được sức mạnh trí tuệ và ý chí quyết liệt đã giúp ông giành chiến thắng và biến ông thành huyền thoại.
Sau này, Stanley Kanao có một câu nói đáng nhớ. Chúng ta học được gì ở Việt Nam ư? Chúng ta học được rằng, chúng ta không nên ở đó ngay từ đầu.